Chevreuse, salut et merci. Merci pour vos prières. Merci, peuple de Sion, pour vos prières. Et je vais vous saluer adventistement comme d'habitude. Citoyens du ciel, soldats enrôlés dans l'armée de l'Éternel, Maranatha. Maranatha. Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, c'est encore un privilège que Dieu nous a donné pour être ici ce soir pour étudier sa parole qui est le pain de vie. Dieu nous a fait grâce parce que jusqu'ici nous sommes encore malades, mais ce n'est pas comme avant. Ça commence à aller mieux. Mais bientôt, je sais que mon Dieu, il est vivant. Il va me guérir parce que je suis son enfant. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Donc, chers frères et sœurs, bientôt je vais te partager mon témoignage avec vous, peut-être lundi prochain. Mais pour aujourd'hui, on va juste étudier. Donc, je vais faire une courte révision, mais juste avant de réviser, j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez de notre dernière étude biblique? C'était sur quoi? Qu'est-ce qu'on a étudié la dernière fois, étudiant de la Bible? Est-ce que quelqu'un m'a songé ça à nous parler la dernière fois? Est-ce que vous vous en souvenez? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous rappeler? Je vous écoute. Y a-t-il quelqu'un qui soit capable de nous en rappeler? Moi, je crois qu'on a parlé de l'éthique chrétienne. Très On bien. a, oui, c'est ça. On a parlé de l'éthique chrétienne. On a parlé aussi sur l'aliment. OK? Après qu'on avait vu le baptême, on a parlé sur l'éthique chrétienne. Et Très bien, très bien, Pasteur. C'est ça. oui. La dernière fois, on a commencé une étude sur l'éthique chrétienne. On a vu ensemble le mot éthique en grec qui est éthos, comportement, manière d'être. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas vivre comme le monde parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage sur cette terre. Notre patrie à nous, ce n'est pas ici-bas. C'est là-haut bientôt avec notre Sauveur Jésus. En tant que citoyen du ciel, hein, il faut vivre en citoyen céleste, pas citoyen de ce monde. Donc, c'est très clair, on a vu ensemble comment Dieu nous a donné à Jardin d'Éden de manger. On a vu ensemble dans Genèse, chapitre 1er. Le verset 29. Dieu nous a demandé de manger quoi? C'était la viande. Est-ce que vous vous souvenez? Dieu nous a demandé de manger quoi la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a lu? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 29. Dieu nous a demandé de manger quoi? N'a pas coûté non. Est-ce que nous rappelez, non? Il ressemble Soyez que. là, soyez là, soyez là. Ok, il ressemble que peut-être soldat au sous-muet. Oui. Peut-être Yosou Mouet, donc à comprendre ça. Donc, Dieu, c'est clair que Dieu ne dit Ouais. pas de banon pour nous Il manger y a un gars viande. qui vient de parler, oui. Et moi, l'ouvre mes colis, c'est ça, Modeline? Oui. Par rapport avec son étudiant, on t'a dit que l'est acceptable pour nous manger toutes sortes de fruits. Très Et bien. par rapport avec bête qui n'a de la c'était poisson et bête qui gagne cal sur les. Bravo, bravo. Ok. Bravo, ma Sur soeur. la Très bien. terre, ouais, c'était bœuf qui a fait partie là-dedans, mais le fait que avec gens comme si Bagayo et la Kounia là n'ont pas vraiment qu'à manger viande vraiment vrai, qui en pile bah Du chimique. Ouais. Adayo, celui Très bien. préféré sinon des cadeaux dans le monde et Un végétal. jardin d'Éden, c'est Ouais. ça. C'est bien. Bravo. Félicitations, ma chère. Oui, notez-vous, c'est bien. Dieu, au jardin d'Éden, Dieu nous a donné quoi? C'était juste les fruits. Après que l'homme a péché, Dieu a autorisé l'homme de manger quoi? Les légumes. Il a autorisé l'homme pour l'homme manger zevet dans Genèse chapitre 3, verset 19. Donc, après que l'homme continue à pécher dans Genèse chapitre 6, nous voyons que Dieu qu'on y a là, finalement, pour autoriser l'homme après déluge, pour l'homme manger, qui ça? Viande, mais ça devait être temporaire. Mais
Avant l'homme de manger viande, est-ce que nous songeons comment que me dit l'homme l'homme était de haute taille, pas de monde rachitique. Et l'homme vivait très longtemps. On a vu Methuselah dans Genèse chapitre 5, les versets 27 à 29. Methuselah, il vivait combien d'années? 969 ans. Après, mon Dieu, qu'on vive longtemps avant l'homme manger viande. Lorsque nous venons commencer à manger viande, jour l'homme vient commencer à ralentir. Et l'homme vient à vivre pas 120 ans jusqu'à ce que l'homme qu'on y a là qui dépasse 100 années, c'est un miracle. Donc, chers frères et sœurs, après le déluge, mais Dieu, avant le déluge, là, dans Genèse chapitre 7, le verset 1 et 2, notez-vous, Dieu dit à Noé pour le point, cette coupe de bêtes qui pure et une coupe de bêtes qui impure. Donc, notez-vous, Noé, les hommes de Adam jusqu'à Noé, ils étaient connus les animaux purs et les animaux impurs. C'est très clair. Et notez-vous, posez la question, ce qu'on a bagaille impur, souillé, est-ce qu'on va mettre l'un dedans? Réponse à ça, c'était non. Et finalement, nous venons voir que Dieu autorisait, parce qu'avec Noé, il n'y avait pas suffisamment de fruits et de légumes, mais ça devait être temporaire. Mais l'homme ne voulait pas abandonner la viande. Dieu, qu'on y a là, vraiment, lui laissait l'homme manger viande, mais Dieu choisit très clair. Il rappelait, notez ça dans Lévitique chapitre 11, Deutéronome 14, il rappelait qui sorte de viande, comme ce nous a dit tout à l'heure. Pour mettre marcher sous terre, c'est trois conditions. Il faut que vous ruminez. Il faut mettre là, les capables de gagner un pied fouché. Il faut être capable de faire qui ça? Il faut gagner un corne fendu. Ça, c'est mettre marcher sous terre. Notez dans Lévitique chapitre 11, côté que nous devons aussi, dans verset 9, il dit que pour mettre qui dans la mer, il faut gagner un écaille avec nageoire. L'autre bête qui a volé, il faut faire un long et puis le voler, au voler. Donc, c'était très clair, frères et sœurs. Notez, ouais, cochon. Pas fait partie de bête ça yo. Notez ouais chien chat pas fait partie de bête ça yo. Et notez ouais monde cap manger crabe cribiche lambi tout monde cap manger bagaille ça yo aussi yo pas fait partie de l'Issa. Et notez dit que tout monde cap manger bagaille ça yo yo pral brûler dans l'enfer dit l'Éternel par dit les Adventistes du septième jour. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit d'après 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 17 16 17. Dieu dit tout le monde qui a détruit, qui s'est tapé cet esprit en lui-même, l'a détruit comment? Par le feu. Dans Ésaïe 66, les versets 15 à 18, notez-vous, tous ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, tous ceux-là périront, dit l'Éternel des armées, quand au jugement des méchants. Donc, c'est clair, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'éthique chrétienne. Nous allons couvrir aujourd'hui en alcool. Donc, puisque nous avons déjà couvert viande, et nous avons conclu dernièrement, comme ce nom bien rappelé, non, il est plus simple, il est plus sage si nous n'avons pas mangé viande dans ces derniers temps, parce que nous avons dit, on pile maladie, nous avons pensé dans viande, nous avons pensé, parce que viande, nous mettons pile produits chimiques là-dedans, nous sommes capables de faire gros, et puis nous-mêmes, lorsque nous avons mangé des bagages, nous avons grand pile là-dedans, tout qui est déjà expiré, nous avons changé de date, nous avons sous, on pile problème, c'est de manger viande, nous avons et viande, toute viande, il y a une graisse là-dedans. Donc, nous te conseillons de lire mieux parce que viande prend pile de temps pour digérer dans le système. Il prend au moins, on dit, on viande prend minimum 12 à 24 heures pour le digérer, minimum pour le digérer dans le système. Lorsqu'on mange un bagage, fruits, légumes, on mange dans le système parce que c'est cher avec cher. Donc, nous te bon conseil, lire mieux sous cas quittel. Donc, nous avons bon, quelques bagages ou capables de manger pour prendre protéines. Nous avons quelques conseils dernièrement. Donc, chers frères et sœurs, nous allons entrer aujourd'hui dans l'alcool. Donc, puisque nous avons déjà prié, nous allons entrer dans l'alcool aujourd'hui. Question, est-ce qu'un chrétien qui a bu l'alcool? Non, quoi que vous avez une réponse, ça n'est pas vrai? La réponse est non, chers frères et sœurs. Pour qui ça? Nous allons voir ça dans la Bible. En enfantie logique humaine, en tant qu'humain. Prenons que vous allez prendre un avion et puis où est pilote là, il y a une bouteille tafia dans la main, il y a une bouteille d'alcool dans la main. Est-ce que vous allez monter avion ça? Si vous êtes pilote là avec une bouteille d'alcool, la boire avant de monter avion. Est-ce que vous allez monter avion pour faire voyage là? Hein? Bah quoi va faire pilote sa confiance ou elle a boit et puis elle a boit ta fia et puis la boit alcool avant de prendre avion ou pas faire le crédit.
Prenons que on monte tout qui pourra le juger, juge là ou est juge là les sous de bois et puis il pourra le faire un jugement. Est-ce que juge ça, la bien ça qui est bon sens libre pour le travail, un jugement raisonnable? La réponse est non. Donc, en chrétien, est-ce que chrétien a toujours un bon sens les sous les? Oui, un chrétien doit toujours un bon sens. Si un chrétien pas cap sous, or il y a un peu le monde qui dit oui, un chrétien qui a fait y goûter. Donc, on va louer ça aujourd'hui. Hein? Parce que c'est un petit goûter. On dit qui est mené un petit verre. On dit verre mené demi-verre et demi-verre mené un verre jusqu'à ce qu'on vienne tourner qui ça? Alcoolique. On vienne tourner, côté qu'on vienne s'acquérir addicté avec alcool. C'est un petit cal, un petit goûter qui mène, c'est comme ça tout le monde vient gâter, il vient addicté dans le bagage. Ce n'est pas un seul coup, il lève au bois un seul et puis il est addicté. Non. C'est petit à petit. Donc, nous ne conseillons pas aux chrétiens et nous parlons bibliquement pour que soient capables de boire alcool. Donc, non, beaucoup arrivé dans la question. Donc, non, pour l'ouest, il y a ça qui est vin fermenté et vin non fermenté. Pour un vin qui est fermenté, un chrétien va devoir prendre parce que vin fermenté, c'est lui-même qui a l'alcool là-dedans. Et un vin qui est non fermenté, il va avoir l'alcool là-dedans. Nous prenons même les chrétiens, lorsque le premier miracle Jésus a fait dans Jean chapitre 2, à Cana, ça le fait, le premier miracle qu'il a fait. Il défait de l'eau tournée du vin. Mais est-ce que du vin, ça grandit le moqueur qui dit oui, Jésus te boit ta fiale, te baille mon boit ta fiale. Non, c'est des vins qui n'ont fermenté. Et non, même les chrétiens n'ont pas un pain avec un jus de raisin, il y aurait aussi vin. Côté que vin, ça y est, jus de raisin, ça y est, c'est des vins non fermentés en tant que chrétien. Ah non, est-ce que l'alcool lui-même lui fait du bien? On a touché l'alcool avec bijoux aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ne doivent pas bien avec moi après le sujet, ça, mais vite nous déraper pour le moment. Chers frères et sœurs, nous pourrons faire un retourner au moment dans Noé, lorsque Noé est à vivre. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 9, le verset 21, dans Genèse chapitre 9, verset 21, si nous prenons Noé, nous avons un bagage qui passait. Dans Genèse 9, verset 21, bah, on a aujourd'hui, sinon, il y a des braves qui voulaient lire pour nous. Lorsqu'on lit pour nous, ça a aidé nous pour nous prendre temps et ça a aidé nous à avancer plus rapide et nous prenons plus de bagages dans le sujet. Mais si nous avons un soldat, nous-mêmes, nous avons essayé de lire. Dans Genèse chapitre 9, verset 21, nous avons une histoire noyée. C'est la première fois la Bible pour nous montrer nous à faire de vin. Qui fermentait. Vous dites que nous voyons Noé qui boit du vin, Noé boit tafia. Qui ça qui arrivait lorsque Noé était boit du vin? Vinoué qui ça qui passait? Dans Genèse, chapitre 9, verset 21. Est-ce qu'il y a un soldat à l'élite? C'est pas un Même. soldat pour nos printemps. Ahmed, vas-y. 21. Il Oui. but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Est-ce que nous, ça qui arrivait sur les restes histoires-là, nous apprenons que l'époque-là, il y a une loi, les restes histoires après ça, si le monde pas de loi, nous disons que les parents. Et qui s'est passé qu'on y a là? Nous voyons que Noé, là, Noé fin, il y a un premier petit, lui, qui c'est Cam, qui s'est Cam fait. Cam, lorsque le papa a nu, papa a lui vraiment sourd, l'a dépalé. Cam ta doit prendre papa pour le couvrir, papa pour le battre. Montrer l'autre. Il prend les mêmes déjà fait, les mêmes l'autre frère pour lui passer papa en délision, pour la rire papa. Et qui s'est passé, l'autre frère, il n'a pas pris plaisir dans ça même, il a couru papa. Il a respecté la loi qui dit que dans l'époque là, on parent pas de ouais, nudité, on timoun pas de ouais, nudité parent. Donc, qui s'est passé qu'on y a noué, il y a une bagaille que nous avons fait. L'histoire, ou capable pour prendre temps, dans Genèse chapitre 9 là, verset 21 jusqu'à verset 25, il y a une bagaille que Noé fait. Quoi ouais, que Noé, il est arrivé qu'on y a là, il maudit Canaran qui c'est petite Cam. Il dit que Canaran lui-même a toute petite, petite, il a esclave de frère. Côté malédiction, ça a sorti, peut-être qui ça? C'est parce que Noé, il était sous. Et puisque Noé était sous, Noé, qu'on y a, il est arrivé prononcer malédiction, ça a. Sous Canaran qui c'est petite Cam. Et nous voyons que, en pile recherche faite, il fait qu'on est que noyau, non ses descendants, Cam, Canaran. Et c'est pour ça qu'il y a en pile affaire esclave là, car non, d'après en pile recherche qui fait. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons du vin, li pa bay, on bon figure là. Côté que nous voyons noyé, li te boit du vin,
elle te rete tout tourné la marché du vin li pa bay vraiment on bon aspect pour que chrétien a boit du vin par année. Si nous fait recherche, nous fait qu'on a gain au moins 20 000 monde dans le monde, au moins 20 000 à 100 000 monde dans le monde qui mourit sous effet alcool chaque année. Lorsque ouais mon nan li sou li entre la cali, qui ça le fait, li bat madame ni, li bat petite li, et non seulement ça moun ça le la conduit, li fait accident, et en pile accident ouais dans la rue, c'est moun qui sou qui boue qui fait accident ça. Ou après lorsque y a montre en Budweiser, y a montre une série de du vin ou bien une série d'alcool, yo pas jamais montre un monde qui fin boel qu'elle fait accident, un monde qui entre la cali qui bat madame ni bat petite li sans raison, un monde qui entre la cali en pile des fois m'assiste jugement dès qu'on fait sécurité dans la justice Montréal pendant un nombre de temps, en pile de jugement ouais mon yo vini mon qui a problème famille ouais monsieur a crié parce que yo bayo ça crée les l'ordre puis gayo passé ouais madame yo pendant des mois yo pas même capable passer dans zone là. Dans télévision, il y a pour caillou, il va même pas passer ouais madame, yo vient la prier mande juge pardon. Juge a dit mais pour qui soit de frapper madame? Il a demandé pardon parce que était sous effet alcool. Donc chers frères et sœurs, alcool n'est pas bon. Deuxième bagaille dans la Bible pour rapporter de alcool, c'est histoire de l'eau. Dans Genèse chapitre 19 verset 33. Dans Genèse chapitre 19 verset 33, pas oublier non cali histoire Noé dans Genèse chapitre 9 verset 21. Et nous capable lire toute histoire là côté que jusqu'à verset 27 n'après qui ça Noé lui-même li maudit canaan qui c'est petite cam parce que lorsque bon sens te vienne sur lui il était vraiment fâché. Donc vino ouais un sexe pas arrivé fait chez l'eau lui-même parce que il gagne deux petites filles yo qui ça a fait puisque ma maman était mourir dans route. Donc on histoire ma dans l'eau. Ma dans l'eau regarde en arrière pour un statut de sel. Donc on histoire là qui ça passé qu'on y a là. Deux mesdames ça yo pa gen mari, ça yo pa le fait, yo obligé faire papa yo boire du vin. Le papa fin boire du vin, vino qui ça passé. Sinon joyen dans Genèse chapitre 19 verset 33. Genèse chapitre 19 verset 33. Donc, en parlant des deux sœurs yo qui ça yo fait, deux sœurs, deux petites filles lo yo qui ça yo fait. Dans verset 33, il dit que nous commençons dans verset 32. Dans verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Est-ce que nous avons ça des soeurs dit? Des soeurs, il dit, on parle coucher avec papa. On parle entrer en relation sexuelle avec papa. Verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Lorsque Ené a fini de faire sa kounia, il dit l'autre pigeon, il dit, on ça me fait hier soir, il fait papa me boire du vin, papa me couche avec, ah, kounia au café même bagala. Na soué, l'autre pigeon a fait même bagala, il fait papa le boire du vin, il fait papa le sou, il couche à papa aussi. Côté que nous jouons, bagay ça a vini créer deux mauvaises nations, chers frères et sœurs. Nation sa yo ki ba Israël en pile problème, les Moabites, après dans les histoires là, nous capable l'histoire là, côté que nous avons que ça, mon bagage sa yo, c'est descendant, moun sa yo ki yo ye, qui ba en pile problème avec nation Israël là. Côté que la Bible montre très clair, depuis le commencement du vin fermenté ou bien tafiage en odia créole, li pa bon pour la santé, li pa jam pote bon bagay. Après nous fin la Bible raconte nous des histoires ça un sexe qui fait chez l'eau. Une bagarre que nous les gars on monde dans la Bible, c'est un sage, non il est le sage Salomon, le fils de David. Il raconte nous dans la Bible dans Proverbe chapitre 20 verset 1er, Proverbe chapitre 20 verset 1er, vino une déclaration. Mais semble Salomon apparemment dès qu'on fait y goûter. Mais Salomon lorsque il commence à raisonner à travers des années, il décidait pour le pas goûter encore et Salomon qu'on y a là, il a raconté à travers expérience. Vino qui ça qu'il dit. Proverbe 20 verset 1er. Proverbe 20 verset 1er. Qui ça qui dit? Dans Proverbe 20. Est-ce que quelqu'un m'en joigne? Amen. Amen. Vas-y, se caler. Merci.
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Est-ce que nous voyons ça? Il y a quelqu'un qui dit oui, ou pas de faire excès. Mes chers frères et sœurs, j'aime dire, allez-vous commencer à goûter, c'est petit à petit, et puis vous allez venir addicter. Donc, meilleure chose dans tant qu'enfant de Dieu, c'est rester loin. Nous voyons que Salomon dit le vin est moqueur. Pour qui ça le dit le moqueur? Il parle de boisson forte, boisson qui fermentait. Au fin de boire du vin, la moko, encore, on va raconter l'histoire. En pile, le monde qui finit de boire du vin, il y a eu un monde avec madame, et puis il a dit, ah bah c'est moins que là, il a parlé, il a dit, parole tête en bas. Il y a raconté le monde qui finit de boire du vin, qui entre, le met sous le lit, dans le frigidaire. Est-ce que si le monde a un bon système, bon sens, il a fait un travail comme ça? Non. Quand il a fait un boire du vin, il a marché dans la ria, il a joué tout le monde, il a tombé pour contre lui, il a vomi sale colis, il a habillé bien propre, du vin a fait la sale col, vomi. Côté que qu'on y a là où un monde ça il perdu ça qui est le bon sens il a dit n'importe vieille parole sale après monde ça va demander excuse lui désolé après lorsque il passe encore donc chers frères et sœurs Salomon dit vin à son moqueur là moqueur l'a fin bon encore et Salomon continue à parler dans Proverbe chapitre 23 il pourra poser quelques questions nous pourrons en pile questions à poser et puis Salomon a porté réponse avec questions ça yo. Question qu'a posée dans Proverbe chapitre 23, le verset 29 à 33. Proverbe chapitre 23, le verset 29 à 33. Question, pour qui le ha? Nous avons dit ha, c'est ouais ça pour lui. Nous avons dit ça. Pour qui le hélas? Nous avons dit hélas. Nous avons dit mot ça, hein? Chez les anciens, chez nos parents. Lorsque nous disons hélas, nous ne connaissons pas bagay qui bon. Pour qui monde ça a dit hélas? Pour qui? Tendez l'autre question qu'a posée. Pourquoi les disputes? Pour qui est-ce disputé? Pour qui les plaintes? Hein? Et non seulement les plaintes, pour qui les blessures sans raison? Chaque semaine, on a pile accident, surtout les week-ends. Blessures sans raison, pour qui est-ce? Question à poser. Et puis, qu'on y a là, il va répondre. Avant de répondre, il dit, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges? Nous avons ça aux yeux, toujours tout rouge, vraiment les abois. Et réponse là, il est dans verset 30, Proverbe chapitre 23, le verset 30, mais réponse là. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, mounsa au kaboué, vin mêlé, vin mélangé, vin fermenté. Réponse là, c'est mounsa au, c'est eux-mêmes, tout bagage soit privé, a dit, ha pour yo. Des plaintes pour monde ça va porter dans le tribunal chaque jour monde ça va faire des blessures sans raison c'est toute bagage ça c'est pour monde ça monde qui boit alcool chers frères et sœurs et une autre bagage que ça j'en dis il dit que dans verset 31 ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangères, etc. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas porté vers l'autre monde. Donc, il y a un bagage que Salomon dit là, il dit que la finit par mordre, même j'avais un serpent. Exemple, prenons que vous venez la caille, moi, j'ai un chien. Vous dites, frère James, est-ce que chien ça, il mordait? Moi, je dis au chien, il morde parfois il va morder. Est-ce qu'on va jouer avec chien ça? Bah, attendez. Est-ce qu'on va jouer avec chien ça? Par contre, le morde, je dis au chien ça, parfois il morde, parfois il va morder. Est-ce qu'on va prendre chance de jouer avec chien? Non. C'est bien. On va prendre chance, c'est même bagarre la voie alcool. C'est ça, Salomon a expliqué là. Non, pour un petit qui est dans bagarre, on va venir devenir tafiate et qu'on y a là. Ou a vin ap sou, et puis ça ka privé, on l'occasion de passer devant machine frappe ou mourir avant l'heure. Donc, en tant que chrétien, nous avons ouais, plusieurs autres versets, côté que Esaïe l'a parlé dans Esaïe 5, Esaïe dit que moun sa ou ka bwet a fia, lui-même li dit malheur pour moun sa ou, li wè malheur pour yo. Esaïe chapitre 5, verset 11, il dit malheur à ceux qui de bon matin court après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin.
conseil de mon avant, yo dormi, fwa yo bwè tafia. Debout dan de yo leve matin, fwa yal chèche a tafia so aussi. Moun nan nou li pa kapab pran bagay sa yo. Sa, nou wè ke Esaïe di malheur pou moun sa yo. Le verset 22, toujours Esaïe 5, verset 22, di malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Gen moun son plaisir pou yo lè yo pran bagay ya bwè kage bagay la bwè bagay la. E bagay sa al bay, si wo di fwa, on pil maladi bagay sa bay. Lorsque na bwè alcool. Donc, chers frères et sœurs, en pile bagay moun yo di lorsque yo bwè alcool, yo di lorsque yo bwè alcool, se lè yo gen problème. En tant qu'enfant de Dieu, là nou gen problème, ki sa nou fè? Ki sa la Bible di pou nou fè? Nan Ephésiens 5, verset 18 à 21, est-ce que c'est alcool qui va résoudre problème? Non, non. Alcool mette moun nan a plus problème. Alcool lance le al mette nan problème avec famille, avec zamou, avec l'État. Moun nan pa fè bruit la kali, jouer, frapper bagay. Kode que moun sa li vin perdu sa non di bon sens li. Kode que moun nan pense que c'est du bien la fête. Moun nan di, oh, moun problème, famille m'fem tel bagay, on zami fè tel bagay, m'bal pas se problème yo pa an tafia. Et pas vrai. C'est plus problème tafia à côté pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, qui ça la Bible dit là nous avons un problème pour nous faire? Est-ce que le dit pour nous tafia? Non. Ephésiens chapitre 5 verset 18 à 21. Si vous avez un livre capable pour nous, Ephésiens 5 verset 18 à 21. Ephésiens 5 18 à 21. Allô, amen. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Donc, li très clair. Apôtre la dit pape enivré dans de bagay sa yo. Le non gen problème ki sa pou nou fè? Pran yime louange non. Chante, non sonje Paul Silas nan aksès yo nan prison yo bay bon Dieu gloire, porte prison krasé. Chaîne ki te mari yo tombe. Donc chef frère, se non gen problème, c'est louange pou nou bay. Fè des moments de louange, pran yime louange, chante li des psaumes. Psaume yo c'est chanter ou de kon chante yo lantan. Toutes sommes nous, ou presque toutes ces des chants que vous avez. L'idée des sommes chantées, pendant que nous avons chanté, nous avons compté les bienfaits de Dieu, qui s'est passé, problème, nous avons passé, frères et sœurs. Même quoi que nous n'avons pas fait, au nom de Jésus, nous avons fait dans l'Ignace, nous avons campé là sous l'alcool. Lorsque vous avez un monde qui boit l'alcool, vous avez pile monde qui l'église, même dès qu'on a un pasteur qui était habité Kissimi, c'est pour un pasteur adventiste, nous avons soulevé l'église, nous avons un grand groupe. Li même le bishop li toujours sous. Il toujours sous et il fait connaître que c'est correct ou ka boire alcool. Donc chers frères et sœurs en tant qu'enfants de Dieu, non. Nous pas ka boire bagage ça ka fait nous perdre du bon sens non. On nous prend pasteur pour prêcher et il boire reg alcool. Qui ça pasteur ça va le sujet. Tout ça il dit ou dit parole tafia. Et parole tafia. Oui. Et par l'esprit de Dieu va ka entrer sur un monde qui charge à tafia sur lui. Ta fia gen tan pran place de Saint-Esprit de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, vinon avancer toujours avec l'éthique chrétienne, nou pou al wè bijou et chrétien. Yon nan bagay ki ba an pile problème, frères et sœurs, c'est bijou, surtout chez les femmes. Mwen konnen yon étudiant mwen konnen au moins 4 étudiants mwen qui fin baptisé Adventiste du 7e jour. Mais finalement, ki sa kwase yo si tellement remè bijou. Le contre on a la ou ouais avec ti bay sur yo par contre ça au fait au marré et finalement qui ça passé pour juste gagne arrivé quitter l'église plus yo nou bagay problème yo gagne yo renmen bijoua est-ce que bijoua il faut pi belle vraiment c'est dans tête ou ça y est pas vrai c'est dans tête ou c'est pas vrai c'est pas bijoua faut plus belle nous besoin beauté naturelle chers frères et sœurs. Mes sœurs, Jésus lui-même li remon Jean que y a, Jean t'a créé là. Bon Dieu pa blo corrige l. Anon pran son ingénieur ou bien anon pran son ingénieur fin fon caille. Ou bien fait caille là et puis kounya ou meton moun nan caille là kounya là, c'est ou mettre caille oui.
moun nan commence à faire tout nan kay la, l'a fait l'autre bagaille parler, l'a craser, l'a fait bagaille parler. Est-ce que moun sa va corriger, l'a corriger? C'est corriger, l'a corriger. Donc est-ce qu'on cap corriger bon Dieu, a fait tout nan oreille, tout nan nez, tout nan langue, tout nan bouche, tout nan lombre, tout nan tout corps? Est-ce que nous doit faire bagage? Bien nous entrer dans la Bible, chers frères et sœurs, nous voir que dans Genèse chapitre 35, la Bible y considérait Bijou comme des dieux étrangers. Et n'a pour peuple là qui sortit en esclavage en Égypte, yo vinn avec même bagage ça qui ça bon Dieu dit pour dans Exode 33. Nous voir aller dans Genèse chapitre 35 lorsque Jacob lui-même il t'a va retourner. Il voulait retourner rencontrer avec frère, il a quitté pays qu'il était allé des années. En exil à cause que tu as un problème à faire. Nous allons aller dans Genèse chapitre 35. Dans Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35, à partir de verset 1 à 5. Est-ce que quand on dit Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35, le verset, nous allons rester jusqu'au verset 4, 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Sœur Noah. Donc, ici, d'après le verset 4, c'est quoi les dieux étrangers? Hein? Les dieux étrangers, c'est quoi? C'est les bijoux, c'est anneaux, c'est pile bagage qui est sous. La Bible considère les bagages comme des dieux étrangers. Quand pile le monde depuis, il n'y a pas de bagage, pas sorti, il n'y a pas l'église, il n'y a pas de sous. Il y aurait des bagages plus que Dieu. C'est un coup des petits dieux qui sont devant eux. Donc, chers frères et sœurs, la Bible est très claire, considère bagay sa yo. Jacob, bon Dieu, il retire Dieu étranger au sous roi. C'est des dieux étrangers. Il y a des gens qui disent, oui, moi-même, marié, je capote ti bag. Non, je n'en pile adventiste qui mette bag. Moi, des fois, je me pose des questions. Lorsque mon Dieu a marié Adam avec Ève, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, il dit, Dieu l'a béni. Côté Dieu fin Mario, est-ce que Dieu te baille au bague? Non. Donc, chers frères et sœurs, est-ce que ces bagues-là vraiment quoi le monde qui est marié? Mariage, c'est un bagage qui fait dans le cœur. C'est cœur avec le monde. Le monde, ce n'est pas bague-là qui fait le bâton péo. Ce n'est pas bague-là qui fait le garçon pas cause avant. Le monde qui dit que c'est bague, il faut avoir un bague pour le monde qui est marié. Pas biblique. La Bible considère comme des dieux étrangers. Non pas aller dans point ça pour nous dire que son point de salut. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais la Bible nous a dit très clair, chers frères et sœurs, lorsqu'on lit Matthieu, chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16, vous pouvez lire le même écrit. La Bible dit pour nous simple comme la colombe. Simple. Job dit, j'aime de sauter maintenant, je vais me retourner. Hein? Puis nous continuons, chers frères et sœurs. Toujours, nous parlons de bijoux. Lorsque le peuple a sorti en esclavage en Égypte, il a pris un bagage sa yo, il a commencé à mettre un bagage sa yo sur yo tout. Dieu lui a vraiment horreur de peuple sa. Il y a qui s'est passé. Dans Exode chapitre 33, Exode chapitre 33, à partir de verset 3 à 6. Exode chapitre 33, le verset 3 à 6. Exode chapitre 33, le verset 3 à 6. Amen. Oui, vas-y. Je monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux couroades.
Lorsque le peuple en eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de Ôte dessus. » Ôte maintenant, c'est l'Éternel qui parle. Hein? Ôte maintenant tes ornements, hein? Vas-y. De dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Est-ce qu'on aurait ça? C'était quoi les ornements? C'est bagues, anneaux, chaînes, ces bagages qui étaient sur eux, qui étaient les bagages qui étaient sortis en Égypte avec eux. Côté que bon Dieu dit, retirez-vous, sinon ça m'a fait bon. On prend les mon moi mon qui prend Simon yo prend Simon nan tout petit a fait tout yo percé yo bon bagage chaud y a foué dans oreille Simon nan pour yo faire tout dans oreille Simon nan Simon n'a crié en Haïti des fois bagage ça donne j'ai quand dit en créole ouais là tout non gros vieux bout de bagage oreille Simon nan gâté vinn font maling. Est-ce que c'est pas corriger l'Éternel des armées, frères et sœurs? Si l'Éternel devait se nommer de bijou, ou il va pas faire toi pour nous les mêmes, ni faire nous avec tout toi dans nos oreilles, non? Gros groupe, même c'est nan, ne, ou yap mette li, nous voulons louer ça t'aller. Depuis longtemps, hein, rien n'est nouveau sur cette terre. Hein? Depuis longtemps, chers frères et sœurs, yap mette zano nan ne, zano nan bouche, zano nan langue. M'songe m'de gon étudiant moi Orlando, ni voulons le baptiser. Gros sabat, et puis, ni dit m'frère James, m'ap sincère avec vous. Moi gagne yon zano en côté le badoyé. M pa senti conscience moi en paix pour mal baptiser avec elle. Gros ça ba matin et puis le relè m la dit m ça, m di en bien. Qui côté te metel? Li dit tel côté, m di est-ce que ou vi je dis ça ba, dit m oui. Li dit m pa ka retirer pour contre moi, c'est côté a k'ap ka retirer pour. Mais mes amis, bon Dieu bon côté, c'est docteur Kawe côté ça son parti intime là encore pourquoi le côté ça pour faire mettre zano dans côté ça pour faire pipi là finalement mal est vraiment le faire retirer il dit le faire le mal mais le retirer parce que conscience il bat en paix pour le baptiser avec moi me demande comment monde fait un bail ça dans langue ni gens langue sensible Satan fait mon Dieu tourner esclave avec bagage ça yo gonseri même yo font antenne dans toutes oreilles yo bala dans toutes oreilles tout non antenne n'a pas bœuf on bagaille bien long mon yo mette dans tout pied yo et en pile moun ba konn sa bagaille ça avait dit mais mesdames ça qui dehors en pile là dans yo connaît ça le dit yo dit l'on mette dans tel pied ou c'est lesbienne l'on mette dans tel pied mais pour qui raison en pile bagaille n'a fait moun yo par contre côté au sorti moun n'a juste à faire mais le par contre côté que le sorti donc vin ouais avant nous prend mesdames ça qui mette bagaille dans pied vin ouais fa mesdames qui mette fa. Est-ce que la Bible parle de bagay ça? Conseiller de chrétiens le voir l'église dans un carnaval yo voir des frères et sœurs. La Bible est nos filles de Sion. Nous pas gagne fab mette fab bouche non tout rouge. Tant que nous parle dans Madigra, nous parle rencontrer avec l'Éternel des armées, le Saint des saints. L'Éternel lui-même livre nous venir simple devant lui plus simple que possible frères et sœurs. Vino dans Jérémie chapitre 3 verset 30. Jérémie chapitre 3, Jérémie lui-même dans l'époque là, côté que mon Dieu t'a fait ça, il dit yo a mai ou méprisé, ou bagaille ça y a fait pas rien à petit yo. Jérémie parlait contre bagaille ça, mettez fa, mettez pile bagaille dans dos yeux yo. Après dans la Bible parle, nous gagne pour étudier les deux femmes de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, grand femme, femme non simple. C'est l'église ça qui a observé les commandements de Dieu dans Apocalypse 12. Et lorsqu'on prend femme Apocalypse 17 là, où elle gagne tout bijou ça sous lui. Ou après que il y a des grandes différences entre deux femmes ça en tant qu'enfant de Dieu en tant que l'église de Dieu non doit rester sainte comme la colombe. Donc dans Jérémie chapitre 3 verset 30 qui ça le dit? Jérémie chapitre 3 verset 30. Jérémie chapitre 3 verset 30. Il y a pas de verset 30 dans chapitre 3. Jérémie 3 juste un instant, peut-être ok. Je suis désolé. C'est Jérémie chapitre 4, excusez-moi. Jérémie chapitre 4. Vous avez raison. Jérémie 4, verset 30.
Et toi, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Ok, amen. Donc, j'aimerais que les gens soient dévastés. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Hein? Kap mette fan en bouche, kap mette un pile bagage, yo di a man yo gen pou méprise yo. Bagage sa lo a fè ou, c'est pour faire ouais. Lo a lan temple la chef faisait second sel artiste, gon sel vedette nan temple, c'est Jésus. C'est lui qui vedette là. Je vais m'ta Haïti gen deux mesdames, des fois, pendant l'école sa ba fini, yal changer pour yon mette l'autre gars sur yo. Non dit mais mes amis ça c'est showtime, l'église pas en showtime, l'église c'est vine une vine adorer bon Dieu pour maintenant des fois c'est son bagage c'est pas moi erreur qui fait c'est chaque temps il a fait ça pour montrer que grand pile rad et ça pas gagner là fait ça qui sont fait pour montrer même yo pas camper soin bon Dieu pas il pas un gros bon Dieu soit montrer donc chers frères et sœurs la Bible dit bagage ça yo fanan Dieu c'est dévasté c'est pas les filles de Sion. Esaïe, dans Esaïe chapitre 3, il parle comment les filles de Sion yon même yon doye. Filles de Sion pas doye habiller même avec filles Babylone. Gon grand différence entre filles de Sion et filles de Babylone. Dans Esaïe chapitre 3, verset 16 à 22. Esaïe chapitre 3, verset 16 à 22. Esaïe chapitre 3, verset 16 à 22. Amen. Amen. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les allumettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibercières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout les jupes. C'est bon. Donc, l'Éternel dit là, prendre mesdames, ça, ça, chauve. Il fait trop. Il a mis des bagues dans les nez, en donnant les nez, mis des bagages dans les pieds. Il fait des signes. L'église qui commence à faire bagages à eux. Chaîne dans les pieds. Nous, on a un bas nouveau sous le soleil, hein? Depuis longtemps, il a fait bagage ça. Songez mal les gens concert dans des concerts chrétiens, mal dans concert, moi mes dames avec bagage chaîne en pied, qui chantait, chantait Jésus. Tout tourné a fait concert qui nous a nommé non Jésus. Donc chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, non, nous avons un mode de vie, nous avons un style de vie à vivre qui est différent de femmes de Babylone, parce que nous-mêmes, les filles de Sion. Nous avons un gouvernement qui c'est l'Éternel des armées qui est là, et bientôt, nous allons vivre dans le royaume qui dure éternellement. Nous ne pouvons pas faire ça sur nous. Non, bagage ça, c'est bagage terrestre, frères et sœurs. Moi-même, j'ai une dame qui était membre, qui convertit, elle a montré en pile chaîne avec bague, c'est lui-même qui fait eux-mêmes. Il dit, Satan te bat le poing, il fait bagage ça, il a pris un coton, il fait un prière, il fait. Les soirs, s'il veut, vous venez jouer, vous venez jouer. Les soirs, quand vous êtes, s'il veut, vous avez tout fait, vous avez mouru avec. Donc, chers frères et sœurs, en tant que chrétien, bagaille bijou, la Bible parle, était simple, dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, simple comme la colombe. Si nous continuons à parler de bijou, non, plein côté, nous continuons à parler de bijou, mais, venons finir ce bijou. Venons finir ce bijou. Lorsque nous lisons dans 1 Timothée, nous faisons un petit cheveux légèrement. Dans 1 Timothée, nous faisons un petit cheveux légèrement, nous mettons faux cheveux.
Et nous avons dit en passant, chers frères et sœurs, chers chrétiens, il faut chevaux, son bagaille, qui satanique. Pour qui ça me dit ça? Faux chevaux, majorité faux chevaux, ils ont dédié avec des esprits en aide en Afrique. C'est la vraie base à aujourd'hui. Moi, j'ai un documentaire, moi, j'ai plusieurs documentaires. Avant, ils ont sorti faux chevaux, ça, dans le monde, ils ont dédié à des esprits. Et là, au fin de Dieu, à des esprits, ils ont sorti dans le monde. Et au même qui chrétien, on chita, mettez bagages à eux sous, laisse-toi commencer à faire vieux rêve, ou pas qu'à dormir, ou bien persécution. Il y a un pile seum, en Haïti, il y a un pile seum, mauvais esprit entre sous eux. On a prié avec eux, de Haïti, on a dit qu'on quitte les laïcs en feu en Haïti. On a devin changer nos noms, les laïcs en vol. Donc, nous avons un cas à eux, prier, chant de délivrance, chant louange. L'esprit a dit, on prale, il a dit, mais on dit, comment tu fais là? Ça passe, il a dit que mon nom, il y a un bagage moins souli. Il a dit, qui ça? Qui bagage l'exou? Il a dit, cheve ça, faux cheve ça. En pile, pasteur Abdou, oui, c'est correct, c'est pas. Oui, il a dit ça, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous avons parlé à travers expérience, frère Jésus. Bagage ça, on a dit à des esprits démons. Et il y a un problème qui fait, mesdames, il a mis des faux cheve, c'est à travers permanente. Qui ça le diable montre non, Jean que nous ya non pas belle, faut nous mettre permanente. On y a dans commencer mettre permanente, ça permanente la fait. Il casse cheveux ou gien belle cheveux bon Dieu ba ou il retire. Qu'on y a pour corriger bon Dieu, qu'on y a qui sont fait. Permanente là lui même non seulement, il agit sous cerveau, il agit sous vision qui pas bon pour. Me songe l'aime de gien faut les jeunes, j'aime de qu'on mettre cœur dans tête. Moi chaque moment mettre bail ça mes amis, fait tête moi fait mal des petits jeunes haïtiens et pas. Il fait chevaux tant coup en ville, et cerveau en vie éclaté, on dit feu. Il n'est pas bon pour Santo. Et quand il y a les permanents de la fin, retirer cheveux, même l'ennemi encore qui s'en fait, il porte solution avec faux cheveux. Donc, chers frères et sœurs, venons aller dans la Bible. Nous allons finir pour nos bonnes questions. On a fini dans maximum 10 minutes, venons avancer. Venons aller dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 10. Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, mm-hmm. avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Est-ce que nous recommandons les femmes, merci Sœur Karine, les femmes de comporter, en parlant les femmes chrétiennes ici. Quand nous allons, mesdames, nous allons voir qui est chrétienne ou qui est chrétienne. Pas chrétienne. Autrefois, de vous, une femme chrétienne, mon nagado, il dit, vous sont adventistes du septième jour. Mon nagado, il dit, non. Quand nous des fois, on se dit, on ne sait pas dans la rue. Il dit, pour mesdames, vous habillez comment? Puis, vous mettez. Comment on dit, 3/8 sur yo? Hein? Fan devant ou bien fan de? Il dit pour yon habiller comment, ce Galine? Comment mesdames yon de habiller? Hein? Il dit que mesdames yon de habiller comment? Les femmes vêtues de manière, d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur. On dit qu'on y a un de mesdames yon et les mesdames sont sans pudeur, hein? Parce que même l'église y aller bon moi mon suite à sous chez l'Éternel là mon nan chita en l'air il prend ou ap garder tout ki l'autre moun nan pendant qu'il chita en l'air mes amis les mesdames yo fè travay c'est pour Satan y a travay ou pa konnen ou ap tenter les frères qui fait bamba temps en temps moun nan descend dijipli la Bible dit on doit habiller comment descente. Mettez bagaille long sou nou, kwis nou, c'est mari nou avec docteur, il va caler kwis nou. On série des robes frères sur robes ça c'est dans le monde invisible sorti. Gon dame qui t'a dit permanente, c'est esprit que les mauvais esprits que les original dans le monde invisible qui t'a inventé permanente. On pile bagaille nou qu'a fait. C'est dans le monde invisible sorti, on monte sur planète Terre là. Yo dou lorsque rad l'alfande ya, li ble di suivre moi. Chaque bagaille a une signification yo. Lorsque li en boal dou sa ka marcher sa ka pa ka marcher prend chansou lorsque l'ouvri devant li tout paré chaque bagay yo gen signification yo c'est pas ni quoi le monde a fait n'a fait
c'est pour aller chercher qu'on est sa bagaille, vous voulez dire. Monde qui fait roi, yo gen bagaille derrière tête yo, monde qui invente roi. Donc chers frères et sœurs, il parlait de tresse faux cheveux, gen dit ah, qu'on y a c'est pas même faux cheveux. Am jeune dépassé, c'est pas même faux cheveux pour que ça Paul t'a parlé. On toujours par exemple. On dit on Volkswagen c'était là vers les années 60. Avec un Volkswagen qui fait vers les années 2001 ou bien 2021, 2020. Il pas toujours été Volkswagen. Faux cheveux toujours été faux cheveux frères et sœurs. Donc à ce am da di en pile. M'a campé là, n'a fini l'éthique chrétienne prochaine fois. Prochaine fois, nous allons voir. Est-ce qu'un chrétien qui mette tatou sous lit? Peut-être bon finir avec tatou pour aujourd'hui. Hein? Mais prochaine fois, nous allons voir. Est-ce qu'un chrétien capable de aller dans le cinéma? Un chrétien capable de aller dans le bal? Un chrétien capable de aller dans la fête mondaine? Nous allons répondre à la question ça avec des versets bibliques, frères et sœurs. Pas dit frère James. Nous allons voir. Est-ce qu'un chrétien doit remettre le monde? Nous parlons en pile bagaille la Bible. Est-ce qu'un chrétien doit abouer drogue? La Bible parle de drogue dans la Bible. Nous parlons ça. Comment yote qu'on utilise drogue dans tant longtemps dans la Bible? Comment faire ça à terre? Vous n'y a qui viendrez les drogues. Nous allons voir ça dans le prochain sujet. Vino juste répondre à une question avec tatou. Est-ce qu'un chrétien peut mettre tatou sous lui? Lévitique chapitre 19, verset 28. Lévitique chapitre 19, verset 28. Nous venons une série de monde, tout Dieu yon sauvé, ces chrétiens yon quoi plein tatou. Et yo mette ko moun moui, ko parent yo sou yo, bien ki mette ko on fami, ko madame yo, ko menaj, ko menaj la kite yo, yo bezwen retire tatou sa yo. En pile la nan yo, tatou a gâté. Konprann, c'est des ordres, frères et sœurs. Mesdames kap mette faux dada, a corrige bon Dieu, d'ailleurs yo fè maling, problème. En tant que chrétien, vinon rete simple, frères et sœurs. N'ap juste terminé pour nous capable prendre question. Lévitique 19, verset 28 sur tatou. Lévitique 19, verset 28. Amen. Amen. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Incision là, c'est même bagarre là, nous avec tatou. C'est les mêmes frères et sœurs. Mon Dieu, commencé le bagarre, rien nouveau sur le soleil. Hein? Il commence à mettre des photos morts sur yo à l'honneur des parents. Yo. C'est comme ça que bagarre ça a commencé pour le moment qui ça a fait qu'on y a là. Yo mette tout bagage sur yo sou pou yo côté que yo prend temple l'Éternel là y a mette même photo serpent sur n'importe bagage yo mais yo mette sou pou. Donc on pas quoi un chrétien qui a fait bagage ça, ça pas exister là caï non, mais sinon je viens l'autre monde qui dit que yo c'est enfant de Dieu. Nous gain deux choix, c'est soit nous vivre pour le monde ou bien nous vivre pour le ciel. C'est soit nous chrétiens ou bien nous mondains. Chers frères et sœurs, prochaine fois n'a continuer l'éthique chrétienne, n'a fini avec lui. Nous pas le point question, nous pas gain temps parler de nous pas gain temps parler de Deutéronome 22 verset 5, Deutéronome 22 verset 5 m'a blé final avec aujourd'hui parce que même quand l'est arrivé qui parlait de une série de mesdames qui mettaient rat garçon sous yo. Oui, il y a un pantalon qui fait pour femme, oui, nous comprendre ça, il y a un pantalon qui fait pour homme. Mais une série de mesdames là ou habillé par contre ça yo dans la rue. Ou par contre si yo garçon, par contre ça yo, par contre si yo fille. Ou ap gade ou pa kont sa yo ye. Donc en tant qu'enfant de Dieu, habillé convenablement. Lorsque nous arrivons à côté, sans nous pas prêcher, habillement nous déjà prêché pour nous. Et ou après l'homme, l'ochit à côté sa, moun nab dit, c'est un tel là. Baka dit tel, nous baka parle n'importe jan non, un tel là. Mais quand on se yu de moun, kaba dit, ah, moi même chrétien, yé tout. Yé dit, ferme bouchou là ou même. Ferme bouchou là. Parce que monde ça dit le chrétien, l'a dit le chrétien lié toi, li habillé même j'avais yo, li manger même j'avais yo, pas gain différence. C'est juste mon n'a nommé non Jésus mais pas gain pièce différence. Mais moi même avec vous, vinn on faire la différence. Est-ce que gain question pour nous sur l'éthique chrétienne? N'a ouvri micro si gain question pour nous capable. Nous t'ai parlé jodi a pas oublier ça sur alcool et non fini avec ça qui relait bijoux. Mais prochaine fois n'a fini sujet la prochaine fois. Côté que nous avons, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons éthique, nous avons code. Nous voyons, est-ce que nous devons dans tout l'obéir le monde, excusez-moi l'expression, dans toute sauce le monde. Il y a un depuis bas, il a frappé l'île. Une série de chrétiens, là, en Haïti, il y a des chrétiens, là, aux États-Unis, Canada, la France, il n'y a pas de chrétiens. Une série de chrétiens, lorsque au Canada, États-Unis, la France, il y a des chrétiens qui arrivent dans le pays, il n'y a pas de chrétiens. Il y a dans toute bagaille. Donc, quel qu'en soit côté que vous êtes, caméra ciel là sous parce que pas gabay ciel là menti. Et non pas question, c'est une question s'il vous plaît.
Oh oui, arrivé dans un moment ça, nous fait place aux questions. Est-ce qu'il y a un monde qui a une question, qui a un commentaire? Oui, 3608. Est-ce qu'on soumute? Oui. Non, ok. Bon, ok, Samoline, tu peux continuer parce que mon n'a pas parlé. Oui, moi, une question, là, c'est depuis au début, ça a passé à te maintenir, c'est tout ce qui me donne des questions par rapport avec le premier miracle, bon, c'est ce que faire. Est-ce qu'on compte spécifiquement dans la Bible qui mentionnait comme si l'air était fait là, il n'est pas. Ou tu dis c'est deux, c'est qu'on compte côté quelqu'un alcool au ballon, non? Et puis l'air pas gagné alcool, l'air pas gagné l'autre, non? Mais est-ce que bon côté dans la Bible qui est vraiment mentionné et que les Jésus ont fait miracle pour du vin, hein, que c'est ça qui n'a pas de l'alcool là qu'il a fait? Oui, tu as parlé de fermenté et non fermenté. Mm-hmm. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, ok. Non, pas c'est quoi, by for James? Oui. Donc, la Bible même n'est pas contre carité de l'image. En on prend, pour capable comprendre l'exemple de Barwa, viens on prend, ou bien papa, il dit une parole dimanche, il dit une parole mardi. Il dit en parole mercredi, qui s'est privé vendredi? Ou confus, n'est pas vrai? La Bible dit très clair, dans Malachi chapitre 3, verset 6, l'Éternel va jamais changer. L'Éternel qui t'a utilisé, prophète Esaïe, l'a utilisé Salomon, qui parlait pour non capable de rester loin de bagaille. Il posait pour qui, et puis il dit c'est pour mon café bagaille. Yo. Et non, un mauvais exemple qui t'est arrivé, nous, en série de monde. Jésus va jamais venir boire ta fia. Jésus va ton ta fia terre. Jésus pape jamais ta fiatel, pas ton ta fiatel. Et lorsque Jésus vient servir vin, ça il dit que yo joine meilleur vin. Li Jean chapitre 2 après dans l'oscana, il dit que yo pas jamais joine du vin ça avant. C'est pas on dit vin yo jamais joine avant du vin ça. C'est meilleur vin que yo témoigne yo pas jamais boire du vin comme ça. C'est meilleur vin parce que vin ça c'est vin qui fait de Jésus créateur de l'univers. Donc en tant qu'enfant de Dieu, même jus de raisin on prend Sainte-Seine. C'est 20 relé tout. Mais est-ce que 20 ça, Jésus te baille disciple? Est-ce que c'était ta fiale te baille au bois? Alcool? Non. Si vous allez tout disciple, de disciple jusqu'à moi et moi avec vous, c'est même trace à nous suivre depuis 2000 ans. Non, prend ça qui est le Sainte-Seine, non toujours prendre jusqu'à maintenant. Non, pas jambe boire ta fiale ou bien vin fermenté, non, place jus de raisin. Non, toujours boire 20 ça. Qui c'est en vin, Jésus dit, d'après 1 Corinthiens 11, on va prendre en mémoire de ma mort. On va boire 20, qui représente qui ça? Symbole de sang Jésus. Donc, la Bible pas montré que c'est bagaille alcool, il était bon, non. C'est ça. La Bible pas montré ça. Dieu va jamais changer. Dieu va gagner en parole dimanche, en parole mardi, en parole mercredi. On dit tout le monde. C'est ça, il dit, c'est du pur jus de raisin. Pur jus. C'est-à-dire, pas de mélange d'attendre. Il va mélanger. One, c'est du pur jus de raisin. C'est raisin exactement qui extrait jus qui fait vin. Moi-même, ma soeur, c'est parce que actuellement, moi, je fais diabète. Et puis, madame, moi, tout à coup, derrière moi, je dis, je ne suis pas de du vin. Mais moi-même, une série de du vin qu'on a acheté chez les Juifs de New York. Je cherchais du vin, ça, ici, au Canada. Tout du vin, ça, au sous-goûté. Ou pas m'en dérêter, mais avec sucre là, il y a un petit sucre quand même là-dedans. C'est purement vin, mais sans alcool, zéro alcool. Il y a monde qui dit, ah, c'est pas bon vin, oui. Bon vin, oui. Bon vin. Si on l'a, comme il y a un sucre là-dedans, comme nous ne nous pas après, on l'aime d'acheter, on fait contre, on va pouvoir dire, mes amis, ça, il y a marqué vin, mais vin, zéro alcool. Il y a monde qui dit, non, pas du vin sans alcool. C'est pas vrai, il y a vin sans alcool. C'est ça. OK, nous souhaitons que ce mot d'une satisfait. Nous avons plusieurs micros qui ouvrent. Et quand et... le monde a boit alcool, ça va connaître pour me répondre sur ça. Lorsque vous prenez sucre, vous mettez l'être dans le sucre, là, son alcool détourné. Autant de samedi, là, ma soeur, en plus le monde, vous avez fait un monde dormir à Haïti, qui ça vous fait? Vous prenez l'être, vous sucre, vous avez fait un monde, vous avez fait un monde, vous avez fait un monde. C'est ça. C'est alcool lié. Vous prenez sucre, vous mettez l'être là-dedans. C'est ça. OK, nous avons plusieurs micros ouvrir. On a passé avec Frère Luc, c'est ça? Frère Luc, grande question. Après, c'est ça. Oui, Frère Luc, oui. Oui,
bien deux questions. Oui, bien bon, deux questions. J'ai une question et une petite explication pour sœur qui parlait de vin. C'est que dans le ciel, là, dans le ciel, il ne va pas avoir aucune chose fermentée. Aucune chose fermentée, c'est des choses frais, naturelles. Pas de, aucune chose fermentée. Ça, c'est une première chose. Et puis, en question pour frère, et si nous avons un événement spécial, un bagage spécial, est-ce que c'est permis de mettre un petit broche, de mettre un monde qui mettait en chaîne pour un événement spécial, comme disons un mariage, je ne sais pas. En parlant de broche, là, on va parler dans le corps, mon nom. Non, pas dans le corps. Sur vêtements, sur couchage, là, sur rad. Oui, mais on a mis le sur rad, mais on va voir le faire. Comme on dit ça, il n'y a pas un plan de salut, mais non, essayer d'éviter. Mais moi-même, actuellement, en parlant de mariage adventiste, mon frère, rien ne doit pas content, ça me dit. Le maintenant, mariage adventiste, qu'on y a, je suis tellement fâché, je parle encore. Le monde invite mal l'église, je parle. Parce que les mouvements sont trop désordres. Mon série de mesdames, c'est tout uni, mesdames, yo campé. Les sabbats, mesdames, yo simple, debout dans des mariages, tout gaillé, c'est tout uni. Ou ap gade tout cuisson, tout koyo gaillé. Qui sa yo adventiste du septième jour? Même dit ça, son désordre que lié. Kode que l'esprit de Dieu partout. C'est tant bon Dieu non est partout. Les mariages, nous va ka gaillé. Vous comprenez? Une fois que moi me dit bon moi blé qu'on ça m'aller me nerver me dit mes amis bon on ta gagne madame moi bon madame moi là elle vient moi là on ta gagne madame moi pour la marcher toute tête le dehors on va regarder toute tête mesdames yo toute corps dehors lagué comme ça puis Mario chita à côté mes amis comment nous pas chrétienne toute tête non saint non mettons série de bagarre toute corps on gagne qui pour un petit bail à essayer couvrir corps yo et bien toute corps calé et puis toute jambe yo dehors non. Non, pas dire oui, ou pas vle mettre même j'ai grand monde, non pas de même j'ai grand monde, mais qu'on pile belle rade. Moi même, yon nan bagay me respecte chez les femmes arabes, yo respecte de quoi yo. Mesdames arabes, yo respecte quoi yo. Mesdames juifs, longtemps yo tout et conservate qu'on a bien, yo respecte quoi yo. Yo pas marcher tout ni ap kale quoi yo. Mais adventiste, conseil de adventiste qui trop éclairé, par un côté yo jwenn éclairé ça mes amis, lors d'un des mariages, moun yo tout ni. Tout on y a machin de mariage. OK, et puis nous pas compte si frère Luc satisfait. Et normalement non, satisfait, je suis content, merci un peu. D'accord, entendu. Et nous passer à ce Eve. Ah oui, merci, ça se passe bien. Frère, tantôt dit que des fois mesdames yo qu'on chita sous chair. Hein? Jupe yo tellement courte, moun ki chita nan assemblée a, wap gade ki. Wap gade ki lot yo en bas normalement sou chè a, gros sa ba. Oui, 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 oui. Effectivement, gen yon mercredi soir, mwen rive l'église la, mwen wè yon jeune, en parlant de tête li. Pour façon tête lité, pour façon coiffée. M'rive l'église là, mercredi soir. Waouh! M'dit béni soit l'éternel. M'pas venir à un visiteur. Même paraît n'importe la zone, m'tombe sous lui. Oh, ça te vraiment, vraiment choqué. M'la façon tête lité coiffée. Oh là là. Mercredi soir, ça te choqué. Samedi, service culte, m'chita, culte pour le commencer. On y a qui moun mouak ap monte chea, se amte wè mercredi soir, qui te choqué mercredi, tête li te choqué mercredi soir, mais qu'on y a samedi matin, mais c'est lui même dans service culte, mouak ap monte chita sou chea. Di wow. La question, moi-même, moi, dis, pour qui raison, pasteur ancien, les réunis en sacristie avant la montée? C'est ça, c'est l'âme d'Avalina. Avec sagesse, avec sagesse, avec amour, comme la Bible a dit, René Mounade, ma soeur, il est vrai que nous te guitons avec toi, ou tu es au courant, c'est au cap fait service fidélité.
effectivement, ou là avec nous. Mais moi, vraiment désolé, Jean Tetouye a ou pas qu'à monter cher. Jip là qui soua, wob là li trois coûte, parce que automatiquement, ou chita, moitié jamou apparaît, tout jour hier. Désolé, ma soeur, pas qu'à monter cher. Prochainement, lorsqu'on est au bon bagay ou à faire, ou à habiller convenablement. Mm-hmm. Frère James, moi saute Montréal, mal à Haïti, moi gagne, m'a monté cher. Les nous réunis avant la montée de la chair, Géon ancien, il dit désolé parce que moi t'ai gonti bout de perruque la tête moi. Il dit moi que moi pas ca monter chair comme ça. Il dit OK. Pas de problème. Il dit mais sous mettez chapeau dans tête tout, ça pas empêcher monter chair. Mais sans chapeau, avec petit perruque là dans tes toits, ou pas qu'à monter cher. Et ce jour-là, chance pas maman de deux services en tant que diaconesse, qu'on y a m'obligé mal pour un chapeau dans tête maman, là, ou mettre dans tête moi, pour m'être qu'à monter cher. Mm-hmm. Alors, pour qui raison nous-mêmes ici, Montréal, Canada, États-Unis, la France, moun nan kelki ke swa janye tèt moun nan on lòt bagay anko mwen wè moun gou seri de bagay mwen menm ah, franchement konn a pote l'eglise fermé non sans tout ça ça vraiment pas dérangé gou lòt sè ki vin l'eglise la chevel tout de blé sè achita tres la pandye presque collé avec a tè tellement tres la longue. On y a qui mon service culte, qui mon qui campait devant parmi les chantres, c'est la sœur. Dit oh my God, moi quand ça dérange, c'est là des visiteurs dans l'assemblée, c'est là ça dérange. Et puis en plus, moi dit même quand tête mon nante bleu, lité jaune, lité vert, si mon chita dans l'assemblée, peut-être visiteurs, yo, car par un compte, c'est une sœur, tu comprends? Mm-hmm. Mais nous n'avons campé devant, parmi les chantres, nous n'avons sous chair, service culte, automatiquement, ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas une invitée, hein? À 11h, sœur Violette, dans l'esprit de prophétie, il était dit, il était pas m'pas comprendre l'église adventiste ni parmi les pasteurs m'pas connait on parti qui n'a pas pile là dans démissionner en pile démissionner pour le pasteur ça dit c'est pas grave pasteur ça dit je sais pas à couche dormi donc oui ma sœur moi même m'a bon témoignage ma sœur en 2 minutes max pour montrer non perdre puissance non. Avec une série de bagages, on a fait, on vient de perdre puissance, non? Bon, au point où ça, au moment où il y a mauvais esprit, avec cheveux tout quoi couler ça, au moment où on prie, à le chasser mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on est à priver? Mauvais esprit absolument dans la tête, l'autre là l'entre sous lui. Il va pas aller tout, non? Il va pas aller et puis il va monter, il va monter. Ça va tout là, ces bagages non vivent en Haïti. Ici, t'as fait mon Dieu éclairé dans l'Amérique du Nord comme ça. C'est pas ces mauvais esprits manqué pompé, faire pompé ici. Oui. Bon, on va le bon témoignage, mon sœur qui Orlando. Ça m'a dû la aucune question toujours, frère James. Il faut gagner 3 mois, non? Ça m'a dû l'arriver Orlando, mon sœur dans l'église là. Mon sœur qui, j'en dis à ma sœur, avec cheveux peinturés. Il était comme ça, gros sabbat après-midi, il prend Jaï dans Mitao. À danser et à bagaille. Il prend prier, Vous dites, alors, commencez à faire bruit, la gueule, mon baga gimbel. Vous avez joué, gros sabbat. Et puis, vous avez fait chaîne, vous mettez le nom de temps, vous mettez là dans le tout. Et puis, vous prenez le chant de louange, parce que c'est mauvais esprit, vous avez joué, vous avez craché. On belle soeur. Et puis, vous avez dit, vous avez passé. Là, vous prenez prier, vous dites, OK. Il dit, mon sa, nous avons monté à l'âme, il y a un baga, il y a un souli, il y a un dédoula. Je vous demande, qui ça, il y a pour vous? Il dit bagage ça cheveux ça bagage couleur ça c'est pas mieux. Mauvais esprit réclamé yo. On sait des pasteurs peuvent prêcher bagage ça yo pas dire yo. Mais faut nous dire mon vérité bagage ça c'est pas bagage chrétien yo. C'est bagage qui saute dans monde invisible
en Afrique, en Inde, ces pays ça yo sorti. Et ben sont dédiés à mauvais esprit. Et quand on abdomi la caillou, mauvais esprit envahi caillou. OK? Donc on coûte témoignage, on minute pour nous prendre l'autre question. Et al prêcher Grécier. C'était Grécier ou bien Guérin. On dal prêcher Guérin pendant un mois. Dame de descendre caillou parce que Wilfrid lui qui était pasteur étant Léogane. Chaque soir me fait route là sous Bécane malé Guérin. Gen deux petits grands monde qui a vive dans zone. Et puis qu'on y a là monde dans zone yo qui diable qu'on ça témoigner. Yo di yo même, yon ki vin konverti apre, yo di ke l'ordre de a volé la soir, yo pa fouti passe nan zone ti grand monde sa yo. Yo pa ka passe bokal yo même. Et puis il dit oui, ça qui doit qu'on y a mon pil adventiste qui a vinn témoigner. Louga ou empêché yo dormi. Diab empêché yo dormi, a mande prière toute journée, mande moun prière. Fait moun baka toute journée a mande prière, diab empêché yo dormi. Yo di yo même, ti grand monde sa même passe yo baka passe nan zone yo. Pour qui sont pensés, nous avons demandé pour y être tout. Parce que nous pas conformés. Nous pas conformés, nous n'avons pas de puissance encore. Nous prenons question. Vas-y, question. Désolé. Oui, nous avons ce Josué ou bien ce Myriane. C'est ça. Oui. Oui, nous pas sommes quoi? Oui, nous parlons. Est-ce que vous avez l'autre monde qui a une question? Oui, bon. Qui, ben, ou qui m'en a fait. Parce que pendant que parlé à non, pas gain. C'est deux. Nous aurions été 6 minutes pour nous finir. Na bref. Gain frère Hugo et puis mais c'est chaque monde 1 minute à 2 minutes maximum 2. Ok, c'est 1 minute à 2 minutes. Et soit bah frère. Hugo, parlez non. Et bien ma vie parlée. Ah, c'est pas question, c'est pour te confirmer. Ah ben ok. Soit Josué, tu as 2 minutes. Si tu n'as pas de minutes, et maintenant, si tu n'as pas de minutes. Amen. Ah, ok, c'est Fabienne. C'est Fabienne, tu as 1 minute ou 2 minutes. Oui, moi, je connais un monde qui n'est pas baptisé, qui est tatou, qui est baptisé. Qui ça, qui a fait pour ça? Non, ça, c'est l'autre bagaille. Moi, je viens de passer ça plusieurs fois. Mon li pa ka retire li bon dieu ouais mon na li te nan tan ignorance li ak 17 di moun ki te lorsque mon nan tan ignorance li bon dieu li fait grâce mais lorsque mon na vin converti ko a remettre li a bon dieu prend jandia même moun ki rentre dans l'église k ap fè bagay sa yo fauché avec gnadou nou pa ka mete au dehors tout c'est converti ou converti mais ou songe Jésus dit Pierre l'a converti a fait mi fò yo donc il ne fait que mon nom était de Yoa, il peut te connaître, mais mon nom très comme ça. Bon Dieu dit, bon Dieu mourit pour tout le monde ça. Il dit, venez, Jean Yoa. Là, il vient de connaître là, si que mon nom n'est pas qu'à retirer, mais si il y a un tatou qui a retiré, tout m'apprend. Mais si c'est un tatou qui a retiré, il a retiré, mais si c'est un bagage qui fait vraiment, il fait lui. Il y a un pile là, il y a un pile tout ça. Il y a un pile qui va le bailler au cancer après, qui va le bailler aux maladies, mais. Une fois que vous n'avez pas fait, c'est accepter le genre, c'est que mon nom, mais souvent dans l'église déjà, vous n'avez pas fait bagaille en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, okay. Il y a un moment là, nous allons mettre le mot de la fin. Et Frère James, ça c'est non vraiment besoin de finir. Frère, il oui, oui, ma pape prend ça. Non, c'est oui. une minute. Oui, ma... écoute, oui. Oui, 1 minute. Écoute. Oui. Moi, t'as aimé qu'on est, premièrement. Les adventistes c'est yo pas boire bière nous pas boire ça mais dans mariage bagay que non boire mais c'est ça yo bay dans champagne là il pas gagner alcool c'est ça yo bay là parce que c'est les mêmes adventistes prend les pas gagner les a marié ça petit champagne là. Okay. Yon, depuis deuxièmement, est-ce que un monde, parce que moi, yo gen moun qui explique ça, puisque yo pa, est-ce qu'on ka fè, ou pran Saint-Sénou, fè Saint-Sénou, pou kontou. Et en dernier lieu, et moi-même, papa m'te baptiste, bien que nous pas qu'on fait ça non mais même qu'on allait pas pour nous aller non moins ouais dans l'église l'autre l'église yo c'est pas avec vin la caille même qu'on ouais les femmes des petits monde petit et cola ouais c'est avec cola
un cola, cola jurésien. Et puis c'est pain yo kon ba, c'est avel yo pa, c'est pas pain que nous préparer non yo yo kon même biscuit même sans levain depuis pas gagne levain là dedans avec biscuit et puis yo prend cette scène dans tout et pa, c'est pas papa non moi ouais dans l'autre l'église yo fait ça biscuit avec jurésien cola jurésien oui. D'accord, et en fin de compte, nous devons connaître vraiment, vin ou apé bon, moi, je parle à vin juif, yo, m'da, mais quand côté marché, m'da vraiment remé acheter. D'accord, c'est Myriam. Ok, so, Frère James, nous arrivons à 58-59. Nous m'ado pour mettre les mots de la fin avec ce Myriam, et puis nous allons faire. Donc, ce que nous avons dit, bah, avec toute question, nous avons parlé de Sainte-Seine, nous avons été à Sainte-Seine. Nous sommes Jésus, c'est lui qui était leader disciple. Les services disciples. Donc, nous avons des pasteurs, des anciens consacrés qui sont là pour ça, pour faire ça. Donc, arrivé un nombre de temps, à la fin des temps, une fois que nous connaissons que dernier temps, l'Esprit de Dieu lui-même, il va remplir tout le monde, là, l'annoncer, le remplir du baptême d'Esprit, nous avons besoin d'influence Saint-Esprit, tel que nous avons baptisé le monde, même Jean, nous avons Jacques Philippe qui a baptisé le monde, conseiller de bagarre. Mais pour le moment, il y a une série de bagailles nous fait d'après l'ordre des principes parce que l'Église Adventiste du septième jour, nous avons ça qui est les principes. On fait bagaille avec principes. OK? Pour, en parlant de 20 saillots, quand on a qui dernier côté, ouais, ça fait longtemps, je ne sais pas si je sucré, je ne pas acheter encore. Mais pensez-vous à bien. Lorsque j'ai le président, je ne sais pas si ma présence. Oui, même moun yo ki kon a fait et puis yo yo vraiment c'est bien en fine qui était près James il était 21h vrai fini même connaissance ça fait de 20. Oui, frère James, mettez moi jeune même dans IG il y a des fois quand joine bon vin qui va gagner alcool mais faut lire ingrédients parce que tu as parlé toute bagaille l'on adventiste pas quand écrivait la prend bagaille sans parler ingrédients faut lire ingrédients en parlant de bière on sait de bagaille champagne on dit. Premier soir fait en tant qu'adventiste, j'aime ou li bagaille, ou li ingrédient là-dedans. Depuis un adventiste ou pas li ingrédient, il y a bel wabay. Comment? Ou li ingrédient, depuis un ingrédient wagan alcool, c'est correct. Mais bah, sucré, ça, ou de même trop bon pour santé. Tant nous avons évité bah, sucré, bagaille sel, on sait de bagaille. Si vous voulez vivre santé, bah, ils ont pas même bon pour santé même. Ça, ils ont pas même bon pour santé. Nous mettons le mot de la fin, Frère James. Donc, en conclusion, frères et sœurs, venons vivre pour mon Dieu, pas pour le monde. Le monde doit avoir non l'aide, mais plutôt non l'aide pour le monde, mais non belle pour mon Dieu. Mon Dieu, il pas ouais, quoi, bon Dieu, c'est cœur non loin, c'est cœur non le besoin. Venons qu'un bel cœur non propre et non seulement ça pour nous représenter mon Dieu, ni en parole ni en action. Là, le monde ouais non. Depuis au Paris, Dieu dit ça, il pas foutu par un chrétien. Mais on te dit, madame, tu as parlé d'un seul adventiste chrétien qui est là, ou l'autre même qui n'a tout le monde. L'autre dit, l'autre, la ferme bouche, lui-même. Il est même là, tout ça, ça avec eux, il habille même déjà avec eux. Venons faire la différence que bon Dieu bénit. Amen. Nous disons merci à Frère James pour la présentation. Il faut dire que Frère James, pour mettre lui, il sentait un papy bon, nous ne pouvons pas exagérer trop, il a dépassé lui, il a noté parler. Et il faut moins penser à la santé. Et pour tout le monde qui ouvre le micro après, qui n'a pas gagné une possibilité pour nous, bonne possibilité de parler, à lundi, si tu veux. Et alors, nous regrettons parce que nous-mêmes, il faut essayer de respecter le et puis lui-même, tout, il faut nous protéger le tout. Et bon, nous disons bon Dieu merci pour la présentation que de ce soir. Et nous connaissons, et lundi prochain, ça va se renchérir. Côté que n'a gagné plus et possibilité pour nous poser plus questions que et puis n'a gagné plus que pour nous poser et plus possibilité pour nous avancer et n'a pas aller chanter une seule strophe et n'a demandé soit sœur Eve et chanter pour nous faire nous chanter au numéro 508 et une seule strophe et puis faire James a fait prière pour nous mettre la fin. Merci Seigneur, mon âme soupire. 508. Seigneur, mon âme soupire à tes pieds, viens par vie, où je suis, où j'écoute les ailes, oui, à tes pieds.
Juste avant que Frère James Fouillet n'a dit que demain soir, demain matin, service 6h, comme d'habitude, demain 11h, n'a pas de tout 11h midi, et demain soir, Pasteur Labutte avec nous. OK? Et demain soir, 7h, n'a pas de tout le monde, comme d'habitude, pour le service de demain soir. Que bon Dieu bénisse, n'a prié avec Frère James. Merci. L'Éternel, Papa, nous qui dans le ciel, que nous capables d'exalter, louer, éternité en éternité. Dans moment ça, nous disons merci Seigneur pour une journée en plus sous saut ban nous. Merci pour nous toutes qui encore vivant, nous te ouais année 2021 son grâce qu'on fait nous. Mais youn nan bagay nous connaît Seigneur pour reste fin année, vie non amont parce que dit si c'est pas volonté ou on reste dans cheveux nous pas sorti. N'a demande au souple papa que un jour capable couvrir toute petite tout. Qui n'a l'ignan pour que nous bien dormi à soir. Que Saint-Esprit ou capable nan que nous, pour ba nous force, courage, pour que nous pas focus sous problème, maladie, couvre-feu, mais pour nous focus sous le ciel, pour nous focus sous Jésus, parce que nous connons plus gros que tout bagay sa yo. Nous demandons que grâce au Seigneur, capable couvrir nous, lorsque l'ennemi a montré nous pas gen chance, pour ça nous te fait dans le passé, mais pour nous connaître, ou son Dieu de grâce. Ou toujours baille deuxième chance, ou toujours baille 20e chance, ou toujours baille en pile 77 7 fois chance, pour que nous connaissons Seigneur avec nous-mêmes. C'est la vie éternelle, nous pas qu'à perdre parce que sont versés pour nous. Nous sommes à soir, en tant que citoyens célestes, nous pas de vivre même avec le monde. Nous vivons dans le monde là, c'est vrai, mais nous pas de vivre même avec vous. Fait que nous connaissons ces lumières, monde là. Parce qu'en lumière, pas qu'à mettre en bas table. En lumière doit briller lorsque le paraît d'un côté. Pour que le monde voit que nous avons brillé. Fait que Seigneur, le monde voit que vraiment, les non-rivés, non, c'est celle. Pour que Seigneur, il y ait importance, non. Pour que le monde qui vive côté, non. Si vous demandez, est-ce que vous connaissez Jésus, pour vous dire, Jésus habite à côté de moi, je connais. Donc, on est Seigneur, sans nous ne faire rien, c'est pour ça que nous demandons, s'il vous plaît, que tout le monde qui est dans la ligne, là, au nom de Saint-Jésus, fait que nous avons inscrit dans le livre de vie. Pas qu'il y ait un qui l'a perdu à la famille, non. Et que nous, tout Seigneur, l'appel la fête dans le ciel là, pour nous capables de répondre présent. Nous demandons au Seigneur, tant de prières ça pour nous, on a dit nos remèdes, on a dit encore louange, adoration, sainteté, sagesse, puissance, force, honneur, richesse, tout pour vous, pour ce faire dans le passé, ce faire pour le moment et tout ce qu'il y a pour faire, vous méritez. Nous prions, papa, parce que nous bon. Et nous prions, au nom de Saint Frère, non. Petit garçon, Yahshua Mashiach qui est mort sur la croix pour nous. Amen. 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 Que tout un chacun dise Amen. 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 Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. 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 Bonso